Nous allons retrouver la base. Bonjour, je viens de forcer la porte du studio pour vous dire que les médias appartiennent à des multimilliardaires qui utilisent l'information dans leur intérêt, que les gouvernements utilisent l'argent de l'État pour enrichir leurs amis et que l'opposition fait rien parce que de toute façon ils sont payés pareil. Voilà, j'ai tout dit, je m'en fous qu'on m'embarque. Voilà, maintenant que tout le monde est au courant, le monde va changer. Oui, bah c'est-à-dire que... Le monde va changer. Mais quoi, vous avez trafiqué mon micro, c'est ça? Quoi, on n'est pas en direct? Ah si, on est en direct, hein, on vous a bien entendu, mais ce que vous venez de dire, bah, tout le monde le sait déjà, quoi. Ah, donc on a le pouvoir de faire quelque chose, mais on s'en sert pas. En France, en fait, on est 70 millions de politiques. C'est ça, vous y allez un peu fort quand même, je trouve. Ah oui, pardon, nous, pour rien faire, on n'est pas payés. C'est vrai. Voilà, mais moi, je fais pas rien, je suis lanceuse d'alerte. Ah, d'accord. Je suis là pour alerter les gens sur ce qui se passe réellement dans le monde. Je suis un PPDA qui fait bon usage de ses couilles. Mais laissez-les tranquilles. Bon, les gens savent déjà ce qui se passe dans le monde, et puis c'est jamais bon de dire la vérité, vous savez. Hein. Bah, vous avez raison. Julian Assange, il a passé plus de temps en prison pour avoir révéler la vérité que Sarko pour avoir dit des mensonges. Mais au fait, on ne sait même plus pourquoi il est en prison, Julian Assange. C'était notamment parce qu'il a révélé des scandales dans l'armée, alors que Nico, lui, il l'a utilisé pour dégommer un mec qui menaçait de le balancer. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Qu'est-ce qui devient Julian Assange d'ailleurs? Il a complètement disparu, on n'entend plus parler de lui. Oui, il a complètement disparu, il a tellement disparu que j'ai cru qu'il se prenait pour la réforme constitutionnelle pour réduire le nombre de parlementaires. Mais non, il est dans une cellule au Royaume-Uni. Il est là pour montrer aux journalistes ce qui peut leur arriver si jamais ils balancent ce qu'ils trouvent dans leur investigation. C'est comme de montrer Francis Lalanne à des petits-enfants qui travaillent pas bien à l'école, vous voyez. Ce serait pas plus simple de le suicider, comme on a fait avec tous ceux qui ont été mêlés à l'affaire de pédophile, du pédophile Jeff Weinstein. Arrêtez avec vos propos conspirationnistes, Bruno, ça suffit. Non. Et ils sont pas tous suicidés. Par exemple, le prince Andrew, il était bien vivant dans le cortège aux funérailles de sa mère, la reine Elisabeth II. Ah oui, d'ailleurs, ça devrait être la première fois qu'il suivait une femme qui faisait deux fois son âge. Si tous ceux qui figurent dans le livre noir d'Einstein disparaissent, il n'a plus rester grand monde à la réunion des anciens présidents américains. Finalement, en laissant Julian Assange en prison, c'est quoi le message que veut envoyer la justice? Il est simple, le message. Détruisez la nature avec vos usines. Faites-vous de l'argent en faisant passer des lois pour vos potes. Frappez des femmes, tapez-vous des gosses. Servez-vous de votre statut pour coucher avec des personnes pas consentantes. Tuez tous ceux qui vous dérangent, mais jamais, au grand jamais, ne faites un travail de journalisme d'investigation. Lanceuse d'alerte ce matin, c'était la Bajon.